Salut à tous, c'est Switchland et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo let's play sur Little Inferno. Alors c'est parti. Donc on va reprendre notre partie. Donc je n'y ai pas joué depuis. Je n'ai qu'une heure de jeu. Alors, on avait reçu une petite lettre. Dernière prévision météorologique. Les prévisions indiquent des épais nuages de neige qui approchent de toutes les directions. Attendons-nous à quelque chose de gros. Ok, il va faire froid. Donc restez bien au chaud les amis. Hey, hey! Rapport du ballon météo au-dessus des cheminées. Au-dessus de la ville, monsieur météo. Allez, hop, on va gagner un peu de flouze, on va cramer la lettre directe. Alors, on en était à où? On a 44 pièces. Hop, maintenant on en a 45. Et on avait débloqué, c'est ça, on avait débloqué les trois. On avait débloqué le troisième. Qu'est-ce que c'est trop cher? Une cuillère en bois. Allez, c'est quoi? Guimauve. Tiens, un chaînon saucisse. Ça m'interpelle. Et ça, c'est quoi? De la glace sèche. Allez, on y va. Donc, je vous rappelle la liste des combos que j'ai débloqués. Voilà. Donc, on avait bien travaillé, on avait bien avancé. Donc, cracheur de feu combo, dynamite. Dynamite. Big Brother t'observe. Cœur magnétique, blue bliss. Wow, 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 wow. Cracheur de feu combo. On va cramer quelques trucs et ensuite, on essaiera de trouver des combos. On est parti. Alors, j'ai décidé de changer un peu le format des let's play. Je ferai des let's play de maximum 10 minutes. Comme ça, ça me permettra de vous en faire plus et plus souvent. Donc, on est parti. Alors, qu'est-ce que j'avais? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est des marshmallows, ça. Alors, on va se faire un petit... Tiens, on va se faire de la saucisse. Merde. De la saucisse. Avec... Donc, je vous rappelle que ça se joue, quand on est en mode télévision, ça se joue avec une Joy-Con dans la main. Sinon, quand on est en mode portable, ça se joue en tactile, hein, bien sûr, sur l'écran directement. Hop, donc il tient une araignée, et on est parti. Oh, excellent. Des mouches. Par contre, elles brûlent pas les mouches. Petit feu d'artifice de marshmallow. Hop, on va mettre un petit peu de glace. Alors, est-ce que ça arrête? Ah oui, ça stoppe le feu. Vous avez vu? Une cuillère de bois. Ça va. Prends bien ça. Hop, petite araignée au passage. Allez. Bon, ça, on va lire la lettre. Ah! Est-ce que c'est notre copine? Est-ce que votre foyer vous tient bien au chaud? Savez-vous ce qu'il n'y a plus de douillet qu'un feu crépitant? Un câlin. Je demande à tous ceux qui regardent la vidéo de se faire un câlin. N'y voyez pas n'importe quoi. Une en pièce jointe, un pont pour un câlin gratuit. Ah bah tiens. Vous pourriez en avoir besoin un jour. Bisous, Madame Nancy. Bon pour un câlin. Je vais quand même pas le cramer, si. Bon bah je vais le cramer, allez. Est-ce que ça va faire quelque chose? Que dalle! Ah si, ça me donne 12. Bon. On va continuer à débloquer un peu le carnet et ensuite on va essayer de faire des combos. Donc là on en est à 3 minutes. Bien, qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est quoi ça? Des coloptères épicés. Magnifique. Chinoiserie fragile. Dents de maïs au petit déjeuner. Sushi du supermarché. Mon astuce c'est ça, c'est je vais déjà débloquer tous les objets du cahier, du carnet, et ensuite j'essaierai de faire du coup les fameux combos. On pense dans le temps qu'ils soient. Vous voyez, je vous rappelle la petite jauge ici, c'est le temps qu'ils mettent à être livrés. Si j'appuie ici, j'utilise un ticket qui est là, et ça accélère la livraison. Donc là j'ai reçu les sushis. Allez, on y va. On va faire un petit peu de sushis. C'est dégueulasse. Mince. Bah, les sushis, ça rapporte pas grand-chose. Tiens, on va faire un combo sushi avec l'assiette chinoise. Allez. Ah, crame pas l'assiette, elle veut pas. Ah, elle se brise. On va faire un petit combo festif. J'étais sûr que ça exploserait ça. Et on va faire un petit pain de glace là-dessus. C'est pas mal ça. Alors je sais pas s'il y a du gameplay qui est lié au fait de pouvoir refroidir les objets.
C'est vachement bien pensé. Et on va mettre des petits cafards. Oh! Dégueulasse. Bah, ils sont multicolores, ça c'est sûr. Voilà, j'ai 90 pièces, donc je vais pouvoir débloquer le reste. Qu'est-ce qu'on a? Alors ça va exploser. Du soda futuriste. Un exterminateur joué. Un café. Ramener du café, pas terrible. Un dissipateur de crise de la quarantaine. Non mais j'adore les libellés dans les objets. Hein. Alors on y va. Tiens, on va en lire la réponse. Donc, salut voisin. Es-tu toujours là? Tu lis toutes mes lettres avec attention. Tu ne lis pas simplement en diagonale pour les brûler ensuite, n'est-ce pas? Non. Un jour, je pourrais te dire quelque chose de vraiment important. PS, je t'ai commandé quelque chose, es-tu prêt? Ça arrive aujourd'hui par ta cheminée. Oh, c'est mignon. Des rideaux. Bah, tiens, on va les craver. Ah non, on peut rien en faire, des rideaux. Ah non, ça décore juste. Bon alors, qu'est-ce qu'on a reçu? On va mettre un petit soda. Expérience. Ah! Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est efficace. On va faire une petite expérience, on va mettre un petit. Bon, on va mettre comme ça, un petit truc, un café dessus. Et on va cramer d'abord le soda. Regardez, il chauffe, il chauffe. Poum! Où est le café? Ah! Le café prend littéralement vie. Une bouteille. Alors, ça va péter ça ou pas? On va essayer de la mettre debout. Ah, oula! Ouais, ça flambe bien. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Ah oui, il est carrément lance-flamme. Bouh! Viens-tu de nouveau? Rito, ils sont jolis, mes rideaux. Y a-t-il rien de tel qu'une maison bien décorée? Mais ne fais pas de soucis, ils sont inifugés. Avec amour, Sugar Plums. Ah, j'avais compris qu'il était inifugé. Bon. On va quand même s'attaquer à un petit combo ou deux. Enfin, on va essayer de trouver. Allez, on va mettre la lettre là-dedans. Putain, mais lui, par contre, il brûle pendant 4 heures. Hein. Il est efficace. Hein. L'exterminateur. Voilà, j'ai 116. Allez, on va y aller. Qu'est-ce qu'il nous reste? Des paquets d'œufs. Mais ça commence à coûter cher, là. 20 par 20. Assaisonnement mystère. Œuf de locuste. Champi magique. Allez. Tac. On n'est pas patient, hein. Voilà, on fait tout arriver. Alors. Oh, pas bien, j'ai cassé l'œuf. Ah, celui-là, je l'ai pas cassé. Oh, bah, c'est fragile, oh. Bon alors il y a des objets qui sont décevants, la petite bouteille là, elle a pété comme ça, bon. Autant il y en a qui sont animés, avec des petits bruitages, des machins bien sympas, autant. D'autres qui sont vraiment... Hii, j'ai vu un insecte. Ah ah, Herc, hey, tu m'enverrais... Bark, tu m'enverras un exterminateur. Ah, c'est dommage, je viens de le brûler. Allez, on va faire cette petite quête. L'exterminateur, il était où? Il est là. Ah, j'ai bien fait de débloquer les choses. Du coup. Ah oui, il est pas encore arrivé. Ah, c'est quoi ça? Ça, je sens que ça va crier. Ah non, ça crée des petites boules. Ah, ça duplique les champignons. C'est pas mal ça. Il est temps que je fasse des combos parce que j'ai plus du tout de tickets. Enfin, de timbres. Allez, on attend celui-ci pour pouvoir lui envoyer. Et puis, on va peut-être terminer la vidéo. On fera les combos dans le let's play juste après. Donc, madame machin. Et hop, qu'est-ce qu'elle va nous envoyer en échange? Expédié. Message envoyé. Voilà. Bon, bah, on va se quitter sur cette partie-là. Hein. Dans la prochaine vidéo qui arrivera très vite, on essaiera de faire des combos avec tout ce qu'on a débloqué. Salut, à très bientôt sur Switchland, ciao !